les 40 pieds rêvaient d'un événement bien à eux. C'est chose faite avec la solidaire du chocolat qui relie Saint-Nazaire à Progreso au Yucatan, Mexique. 5000 milles avec le passage d'une porte au nord de l'arc antillais pour les 24 classes 40 inscrits. Tout a commencé avec la descente de la Loire depuis Nantes après une journée solidaire. Car la solidaire du chocolat, c'est également un défi solidaire que les coureurs et leurs sponsors, mécènes et partenaires de l'événement, relèvent ensemble. Chaque bateau est accompagné d'un projet avec une association financée par un mécénat. Accompagné par le BLM, les concurrents ont rejoint le port de Saint-Nazaire, point de départ de la Transat. 24 bateaux inscrits, cela fait donc 48 marins. Une des premières réussites de cette Transat et de la classe 40, c'est de réunir un plateau international puisque pas moins de 11 nationalités différentes sont présentes à bord avec des skippers anglais, italiens, américains, français, suisses, mexicains, chiliens, irlandais, australiens, espagnols et finlandais. Pas si mal pour une première. Dimanche 18 octobre, 17h50, belles et paisibles conditions pour le départ. Petite brise portante, mer belle, grand soleil, public nombreux sur les quais de Saint-Nazaire. Mais si les premières 24 heures sont simples, une grosse dépression va accueillir les équipages dans le golfe de Gascogne. Au passage du front, il y aura plus de 35 nœuds de secteur sud-ouest avec rafale jusqu'à 50 nœuds, grains de neige, pluie abondante, faible visibilité et surtout mer forte et chaotique. Lundi 19, certains avaient déjà choisi de faire de la route à l'ouest, tandis que Giovanni Soldini, un peu isolé, piquait plein sud, quitte à passer proche d'un cap Finistère toujours redouté. Il faudra faire attention à ne pas renverser sa tasse de chocolat chaud. Rendez-vous de l'autre côté de l'Atlantique, pas loin de Saint-Barthélemy aux Antilles, avant que les 40 pieds ne pointent leur étrave au Mexique.